Dans mes autres produits coup de cœur du moment, il y a cette base de chez Givenchy. Ah! Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps que j'étais plus venue sur YouTube. J'étais malade, comme vous avez pu le voir sur les réseaux. Puis j'ai été en examen et puis en vacances. Donc voilà, ce qui explique pourquoi je n'ai plus fait de vidéo depuis plus d'un mois. Mais maintenant je suis back on track et je vous retrouve aujourd'hui avec ma première vidéo de 2018 sur mes favoris du moment. C'est parti! Alors, tout d'abord, je voulais vous parler de cette petite chose qui est la brosse à dents Oral-B Genius 9000. Oui, c'est un mot un peu du futur pour une brosse à dents, mais c'est la meilleure brosse à dents électrique que j'ai jamais essayée. Ouh. Je viens de faire ça, il y a de l'eau qui est partie. Oups. Donc c'est la meilleure brosse à dents que j'ai jamais essayée. En fait, j'ai dû repasser à une brosse à dents manuelle pendant quelques mois. Et sincèrement, j'ai vu une giga différence. Mes dents étaient beaucoup moins saines qu'avec la brosse à dents électrique. On a fait une nouvelle collaboration avec Oral-B et j'ai à nouveau reçu le Saint Graal. Je suis trop contente parce qu'elle me manquait trop. Donc en fait, c'est une brosse à dents classique, enfin, on va dire c'est une brosse à dents électrique normale, sauf qu'elle est vraiment super intelligente. J'allume juste pour vous montrer, puis après je parle parce que sinon vous allez rien entendre. Donc voilà, vous avez différents modes ici. Voilà. Vous avez différents modes que vous pouvez utiliser pour vous brosser les dents selon vos besoins et vos envies. Et vous avez pu voir au-dessus que c'est vert de tout le temps et en fait ça devient rouge quand vous appuyez trop fort. Parce qu'en fait se laver les dents en appuyant comme un forcené, on a tous l'impression que nos dents vont être magnifiques. Mais en fait ça détruit complètement votre émail et ça fait reculer vos gencives, donc c'est hyper mauvais. Donc ici quand vous appuyez trop fort sur vos dents, en fait ça devient rouge et ça vous prévient qu'il faut diminuer la pression. Parce que vous êtes en train d'abîmer super fort vos dents. Donc il y a ça, donc ensuite après elle est Bluetooth. Donc vous avez une application Oral-B qui est connectée à la brosse à dents. Et vous pouvez voir les différentes zones que vous avez brossées, combien de temps vous avez brossé. Et en même temps vous avez des petits trucs un peu fun, genre les news qui défilent, des anecdotes, etc. Bref, l'application est vraiment trop cool. Donc voilà pour la brosse à dents électrique. J'ai découvert aussi chez Oral-B récemment ce dentifrice qui est le dentifrice répare gencives et émail. Donc c'est un dentifrice qui aide à rajeunir vos gencives et à réparer votre émail. Donc moi c'est un dentifrice que j'utilise depuis début janvier et je trouve qu'il est vraiment top. Je vois la différence, j'ai plus, bon moment glam, j'ai plus de genre des saignements quand je me lave les dents, etc. de la gencive. Donc c'est vraiment un dentifrice que je vous recommande et en plus mes dents sont vraiment super blanches aussi, même si je pense qu'il n'a pas un vertu blanchisseur. Moi j'utilisais avant un dentifrice d'Oral-B qui était 3D white et ça il fait vraiment un sourire magnifique aussi, mais il n'a pas l'aspect soin que celui-ci a pour les gencives et pour l'émail. Donc je vous recommande plus en fait d'utiliser celui-ci que le 3D white qui est vraiment juste pour blanchir les dents, et celui-ci c'est pour il a un aspect soin qui est beaucoup plus important et il est vraiment recommandé par les dentistes, donc c'est un super dentifrice. Donc ensuite je voulais vous parler de la gamme Capturious de Dior que j'ai découvert récemment. Donc c'est une gamme qui propose un protocole pour préserver le vieillissement de la peau. Donc c'est vrai que je suis un peu jeune pour commencer ce genre de choses, mais bon, il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est une gamme qui est dingue. En fait, ce que j'aime pas avec les sérums habituellement, c'est qu'ils sont un peu huileux et qu'on sait pas se maquiller directement. Donc enfin, vous voyez la sensation un peu pâteuse sur la peau, bref, c'est horrible. Et ceux-là, ils sont genre hyper légers, on a vraiment l'impression d'avoir rien sur le visage. Bref, ils sont trop bien. Donc ici d'abord j'ai le anti-rougeur et ensuite le repulpant, c'est ce que j'en ai beaucoup besoin. Et en fait c'est une gamme de 6 sérums, donc moi ici c'est ceux qu'on m'a conseillé pour mes besoins à moi, mais il y en a d'autres, je pense qu'il y a pour les rides, il y a antioxydants, etc. Et en fait pour ces sérums, donc vous les appliquez soit un par un sur la peau, soit vous les mélangez puis vous les appliquez, soit vous les mélangez à votre crème de jour ou de nuit. Bref, il y a plein de façons de les utiliser. Et moi je suis déjà à la moitié des peaux en fait, alors que je les ai reçus il y a 3 semaines. Je les aime trop, je les mets tout le temps. Donc dans mes autres produits coup de cœur du moment, il y a cette base volumatrice de chez Givenchy qui est dingue dingue dingue. Donc d'abord, est-ce qu'on parle de ce packaging qui est trop beau? Donc c'est un tube rose poudré un peu chromé, vraiment canon. Et donc c'est une base qui donne du volume mais qui soigne aussi vos cils.
Au niveau de l'application, l'idéal c'est de faire un œil à la fois parce que la base sèche assez vite. Donc vous mettez la base sur le cil, ensuite vous mettez directement le mascara et vous verrez qu'il y a une giga différence. Si vous faites par exemple un œil avec base et un œil sans base, vous verrez qu'il y a une giga différence. Parce que moi je remarque que mes cils sont genre mieux répartis, que le mascara s'applique beaucoup mieux avec la base plutôt que sans. Je l'aime trop et vous pouvez aussi l'utiliser en soin de nuit. Donc vous le mettez juste avant d'aller dormir sur vos yeux démaquillés et le matin vous retirez un petit peu l'excédent avec un coton. Et vu qu'il y a de la cire d'abeille dedans, ça va nourrir vos cils et les soigner. Voilà. Donc c'est vraiment un produit que je vous recommande aussi. Il est trop trop cool. Alors ensuite, je voulais vous parler d'un produit dont j'ai déjà parlé en fait. Mais vu que lors de mon voyage à Dubaï, j'ai encore fini un pot entier. Je pense qu'il fallait que je vous en reparle aussi. Parce que c'est aussi une question qui revient souvent. Comment j'entretiens mon bronzage? Donc je fais pas grand chose en fait, je bronze assez facilement, j'utilise des crèmes solaires à chaque fois, même si cette semaine j'en ai pas vraiment utilisé parce que le soleil était pas très fort. Mais donc voilà, ça c'est un produit, c'est une lotion corporelle que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai découverte. En fait dedans il y a un agent auto-bronzant, mais c'est vraiment genre super léger. En fait la crème quand vous l'appliquez, je vais vous montrer, elle est genre blanche. Donc elle est blanche, elle n'est pas du tout orange ni rien. Donc il n'y a aucun risque d'avoir des traces orange ou bien juste des traces tout court d'auto-bronzant sur le corps. Donc voilà, donc c'est un produit que je vous recommande vivement si vous voulez avoir un beau bronzage. Moi ça fait un an et demi que j'utilise ce produit et j'en ai bien consommé déjà 10 pots tellement j'en suis dingue. Là en une semaine, regardez, il ne reste quasiment plus rien. J'utilise tous les jours quand je suis en vacances et c'est vrai que mon bronzage a jamais été aussi beau et a jamais duré aussi longtemps. Donc je pense que ce produit est vraiment un must have et en plus il coûte pas très cher, il coûte entre 3 et 5 euros de mémoire. C'est pas écrit dessus, non. Donc voilà, un must have en vacances. Ensuite je voulais vous parler encore une fois de ces produits de la bioesthétique. J'en ai parlé. Ah mais en fait je me trompe tout le temps, j'ai tout le temps la bioesthétique alors que c'est la biosthétique. Ok, donc de la biosthétique qui est une marque en fait vegan et cruelty free. Et une petite collab avec eux récemment et je suis vraiment devenue accro à leur shampoing. En fait quand vous verrez cette vidéo, il y en aura une autre qui sera sortie sur mes cheveux que j'ai tournée il y a 3 mois. Donc entre temps ma routine capillaire a un peu changé au niveau des produits. Enfin, ceux dont je vous ai parlé dans la vidéo sont toujours tout aussi bons et valables. Mais j'en ai profité quand j'ai fini mes produits pour en racheter d'autres et pour découvrir d'autres produits comme celui-ci qui est un shampoing hydratant. Donc moi, vu que je fais des décolos, mes cheveux sont très très secs et très abîmés. Donc j'ai besoin d'un shampoing et d'un après-shampoing qui va vraiment nourrir mon cheveu et l'hydrater un maximum. Ces produits-là font vraiment un super job. En plus, c'est une marque bio, vegan, cruelty free, bref, une marque qui a un background hyper sain, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est top. Par contre, on ne les trouve pas facilement, les produits, donc ils ne sont pas disponibles online. Ils sont disponibles seulement dans les salons agréés. J'ai quelqu'un qui va m'envoyer une liste pour Bruxelles. Pour la France, vous pouvez trouver tout sur le site, mais pour la Belgique, il n'y a pas de liste. Donc dès que j'ai la liste, je la mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous saurez où vous pouvez les acheter parce que c'est vraiment des produits à tester. Ils sont top. Là, ben, j'ai lavé mes cheveux ce matin avec. Ils sont tout beaux. J'espère que cette vidéo favori vous aura plu. C'est la première fois que je faisais une vidéo dans ce type-là. Donc j'espère que j'ai fait ça correctement. C'est vrai que je regarde moi-même pas vraiment de vidéos favoris. Donc je n'avais aucune idée de comment on faisait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!